Coucou les petits loups. Eh ben, comme vous avez pu le voir en titre et à l'écran, qu'on se retrouve encore sur Elden, toujours sur la deuxième partie. Ma foi, on va reprendre donc là où je m'étais arrêté ce matin, mon Gelmir. Et puis du coup, on va retourner à l'endroit où il y avait Pat, voir si effectivement je le retrouve après qu'il m'ait fait tomber. Ah, t'as payé le temps, hein, c'est bel os. Hein. Bon. Alors, normalement, il est censé se planquer quelque part là-dedans. Chute pas, t'as fait pas le camp. Oh, bah le blanc. Yes. Ah, c'est bien. Impeccable. Bon, bah du coup, pour ceux qui voulaient l'emplacement après s'être fait jeter dans le vide, vous le retrouvez donc du coup là. Bah, impeccable. Je pensais pas qu'il y serait. Impeccable. Despite my best intentions, I've done you wrong. I have. But here you are, standing tall and proud. All's well that ends well, eh? And my warning was spot on. You tell me different. Stay clear of Volcano Manor. End of discussion. I heard the brutes there hunt tarnished like animals. Lovely. Clear of Volcano Manor. I heard the brutes there hunt a ton. Stay clear of Volcano. I heard the brute. Et c'est tout. Il voit rien. C'est quand j'allais regarder la suite de sa quête sur le PC histoire de rien louper. Alors, ça c'est bon parce que tu vois tout son vide, revenez le voir pour qu'il s'excuse à sa manière. Ok, bon ça c'est vu. Huitième événement. Putain, c'est qu'il y a pas mal de choses à faire avec. Hein. Après avoir accepté de travailler avec Tani au manoir du volcan, vous retrouverez Pat près de l'entrée. Ok, ça que j'avais vu dans la partie principale. Donc il fallait lui parler là-dedans. Ok.
Yes. Alors toi. Et moi je ne fais rien. Parc à poulies, tiens. Ah, des coups, le manoir, t'étais fait un petit tour. Aren't you precocious? We rarely receive visitors to the Volcano Manor without invitation. Fascinating. And not unlike another guest we had long ago. So tarnished. Have you ever harbored doubts about the burden of grace and the dogmatic ramblings of the Fingers? If you have, why not join the Volcano Manor and fight with us, rise with us, against the Erdtree? Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor. The drawing room lies down the... I am Tanith, the proprietress of this house. Cool. The drawing room is through the hall. Use the key. Mais c'est parti. Ça va pouvoir creuser pattes. Taux de réfracteur. Être animé à niveau de cran, hein. Ah, c'est pas encore là. Hello again, brave tarnished. It is a shame that I did not beckon you here with my own hand. But I am pleased that we meet again. Here, at the Volcano Manor, under Lady Tanith's guidance. May you tread the path of valor. Brave tarnished under Lady Tanith. What in heaven's name are you doing? The Volcano Manor is a pit of recusants who spit it. I hope you understand the weight of my... Well, as long as you understand what you... I thought you were tarnished, bred by virtue. Perhaps playing that part led you to your doubts, I wonder. But know that the path you walk is blasphemy and leave. Before you consider hunting any of your own. Alors, dès que vous trouvez un écrelable, la marque rouge sur votre carte indique sa position exacte. Istvan le vieux chevalier.
Ah, c'était lui. Ah, c'est pas faux. Tu vas tomber à terre. Ou pas. Tu vas tomber, ouais. Il va pas, hein, seul. Hein. Tant pis. Cool. Allez, quête accomplie. Et armure obtenue. Cool. Did you read the letter left for you? That is the time. You will become if you are low, but you must leave. This is a we have no claim. You've completed your task. I am pleased. Now you are a recusant true. This is your reward. Cool. Never forget that the recusant fights to tread the path of the The way is tainted. It is the true path to valor. Now you are a recusant, I am pleased. Ton atlus. Ouais, bah il attendra. J'ai un passage secret à aller voir.
Cool. Nouvelle cendre, impeccable. Passage là était plutôt long quand même. Du coup, il y a un feu de camp normalement. Ouais. Ça, je pense que je le ferai plus tard. Vers lequel? Ah, mais pas là. Pas de mon côté là. Là, je confirme. Ah, t'es dur là, toi. Now, I'm tracing the path Melania took. She's passed into the lands that lie beyond.
ça a l'air pas. C'est quoi ça? Tu vas pas te soigner hein? Ouh! T'as pas trop foiré! I see you've performed another task for us. Here is your usual reward. Cool, ça. Et un katana. Un. Now, perhaps the time has come of the true ruler of this manor. The Erd Tree blessed the but it was all too meager. In the face of the Tarnished were forced to scavenge, like the shard bearers vying for power in the wind. Our lord. Indignant has refused. If the Erd Tree, and indeed the very gods, would then we are willing to raise the banner of resistance, even if it means heresy. We at the Volcano Manor, under Lord Rykard, have sworn no rest until it is done. If you follow this heroic path, one day the Lord will see you. The Lord's visits with our champions are always. It cannot come a day too soon. Oh tiens, il y a une canne retour.
Il est par là, toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça a quitté? Ah non, c'est bon, je suis dedans. Coucou. C'est bon ça. Et c'est une des gens. Oh, je sais pas encore. C'est bizarre qu'il n'y ait pas Pepper. Pourquoi qu'elle est pas là, Mister Pat. Tu devrais être là, toi. Étrange. Elle parle. Coucou. Ah, t'as dit quoi? Bouh. Ouais, bête. C'est bien, des fois tu parles, on n'entend rien. De. Il y a un autre. Ça va être toi sinon le boulot? Et nous c'était l'inverse. On n'a pas eu un chat quasiment pendant 3 heures. Début d'après-midi, je dirais même aller pas avant 17h30, puis après ça fait que ça s'enchaîner jusqu'à 20h. Allez, je tombe. C'était le jour et la nuit, quoi. Ah, oh, puis ils abusent tous à chaque fois à venir. Hein. Juste avant la fermeture, c'est relou, quoi. Genre les mecs, ils peuvent pas venir avant, quoi. Oh putain, je suis tombé.
Ah, puis ils me font triper parce qu'à chaque fois ils sont là à dire ouais, je suis désolé, je voulais pas venir aussi tard. Mais sois pas désolé, viens pas aussi tard dans ce cas. Ils me font triper. Oh, un tableau. Cool. Et un tableau pour moi. Est-ce qu'il y en a des mondes là-dedans? Les grosses tâches au boulot quand même. J'ai galéré pour avoir les codes à l'identifiant, tu sais, pour me connecter sur leur crédit mutuel épargne et compagnie. Alors déjà ils nous ont prévenu tardivement. En plus on n'avait même pas les identifiants, etc. Et puis là j'apprends tout à l'heure qu'il fallait finalement se connecter avec son compte. Et que là il y a marqué 0, tu sais, parce que pour l'instant je suis marqué à 0, j'ai rien de ce que j'aurais dû toucher. Il y a un cercle autour, et t'es censé cliquer sur ce fameux cercle, qui normalement est censé être bleu. Et du coup s'il est bleu, il t'indique ce que tu dois toucher avec l'épargne. Sauf que moi il est gris, donc ça marche pas. Donc demain faut que je me fasse chier à les appeler, et c'est le dernier jour. Putain, c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup en plus c'est un numéro surtaxé, donc du coup c'est moi qui vais raquer avec mon portable. Magnifique. Je vais payer autant que ce que j'ai touché pour pouvoir essayer d'avoir cette prime à la con. C'est n'importe quoi. Ah, ça me fait triper, putain. Ah, c'est d'un ridicule, quoi. J'ai jamais vu ça. Tout ça parce qu'il y a les banques qui sont prêts à la dernière seconde pour t'envoyer les trucs, te connecter, te créer ton identifiant. Putain, mes bandes de tâches. Puis il faut triper, t'as pas cliqué là-dessus, mais qu'est-ce que j'en sais que moi faut cliquer sur ton cercle de merde là, j'ai déjà cliqué partout, y a rien qui se passe là. Ils sont cons. Ah putain, ça me fait triper aussi. Les bandes de tâches, moi j'ai pas 20 ans de boîte, bande de tâches. Putain. Ah, ça me fait triper ça. Ça m'agace. C'est pas logique, il y en a, ils ont touché 200 balles, t'en as d'autres qui ont touché jusqu'à 380 balles, tu sais pas pourquoi. Mais ça va même pas t'expliquer pourquoi une telle différence, alors qu'ils font pas plus de boulot que nous, et pas plus d'heures. C'est débile. Surtout quand on sait que celle qui a touché 380 balles passe son temps à sortir la caisse, à faire n'importe quoi. Cool, qui va s'amonter. C'est pas là où je voulais aller. Ah, peut-être. Ça, c'est un coup où je me ramasse en bas comme un con. Je sens pas. Et t'as, je vais me ramasser. Yes. Elle monte. Regarde, tu vas pas du. Tu vas pas remonter du coup. Évidemment. Oh, j'ai revu Catherine, t'as l'air en caisse la. La mère d'Anaïs qui est en arrêt, c'est qui est un peu en dépression. Ah, elle a retrouvé quand même une meilleure mine, je trouve, hein, depuis qu'elle en a, c'est bien. Elle était toute contente de me voir. Ça fait plaisir, tu vois.
Tu n'y attendais pas, elle est venue en douce, l'enflure était dans mon dos. Coucou! Enfoiré. Ça fait plaisir de la voir. Ouais, il est où cet objet que j'ai vu tout à l'heure là? Putain, il doit bien être quelque part. Oh, je t'ai trouvé. Faut que j'arrive à y aller. Ah, je vais l'avoir. Hein. Voilà, trop facile. J'ai même pas galéré pour y aller. Hein. Ah. C'est la suite, ça, c'est pas la suite. Oh, c'est trop mimi, il a fait un câlin, nous. Enfoiré. Ah c'est belle, t'as rien vu faire hein, ouais, c'est ça mais toi avec nous. Prothèse de Valkyrie. Ah c'est pour poil ça. Putain, ça se trouve, c'est ce qu'elle attendait.
Ouais, c'est pas mal ça aussi. Tu sais, j'avais mis toutes les chaînes sur le bon coin là. Gratis, tout ça, tout ça. Je marque bien, surtout à venir chercher sur place. Et évidemment, le seul mec qui va me répondre, c'était pour un envoi. Ok. Et le mec, il a vu tout ce qu'il y a là. Non, mais il est fou quoi. De quoi tu es? Tu m'étonnes. Bon, bah, à mon avis, il aurait payé les frais de port, mais bon, après, c'est le poids quoi. Faire t'as plusieurs chaînes, plusieurs enceintes, et quoi, je vais faire des allers-retours comme ça à Pense, en portant les trucs, même pas en rêve. Vous avez un nouveau message. Ah bah tiens, regarde, ça en a un autre. Tiens, je vais parler parce que j'ai reçu un message sur ça. Monsieur Abart, enfin Arbat, je sais pas trop comment ça se prononce. Bonjour, vous pouvez m'envoyer via Mondial Relais, je vous en serai reconnaissant. Non, je crois pas. Ah mais ils sont fous. Ça sera quoi de marquer que c'est pas par envoi quoi. J'ai l'impression. C'est si, après c'est intéressant, hein, c'est gratis, mais bon, faut pas abuser quoi. Oh, t'inquiète pas, j'ai le bois tous les jours. Ah, putain, des fois je désespère littéralement quoi. Ah, je suis en mode vénère lui hein. Tiens, c'est ça le coup, je t'aime vraiment pas toi. Ouh, il enchaîne. La salope, va me tuer, fais pas ça. Oh putain, j'ai chaud. Technique secrète. Bon en enfer. Ténard. Ah, il a fait me tuer deux fois ce con. Ouh, trop facile. Même pas eu peur. T'as senti que j'ai pas eu peur? Hein, vous? Hein? Ah, t'es pas convaincu?
De quoi t'aider? Ça y est, t'as fini, t'as gagné la guerre, c'est ça? Et du coup, t'en reposes dans ça ou quoi? Ok, c'est pour ça alors. Ah, tout ça pour la pierre de fer, c'est dégueulasse. Pas trop un autre feu de camp. Bien joué. Pas de feu de camp dans le coin, fait chier. Pas une plus que ça. C'est fait. J'ai fait une pizza maison hier, je suis sûr que t'aurais kiffé. Faut que je te la fasse. Top secret, tu verras quand tu goûteras. Et tout ce que t'aimes, les pâtes. Non, j'avoue, c'est ce matin, pommes de terre tranchées. Il y a eu des petits lardons. Ensuite, du coup, j'ai fait cuire les pâtes. Les pâtes. Comment c'est, tu sais, celle de coup, les peines, ou je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Ouais.
Ensuite, j'ai mis le gruyère, et franchement, excellent. Oh bah écoute, elle fait innover. Hein. Mais je te dis, c'était que ça. Gourmand. Moi, ça va bien avec. Je vais m'ouvrir une pizzeria. Ouais, mais c'est parce qu'elles sont pas bonnes leurs pizzas. Les miennes sont bonnes. Hein. Putain, je suis la mort. Eh, saute! Saute, t'es mort. Ah, bah pas là-haut! Oh, attends, je trouve pas un feu de camp, je suis foutu. Non. Je peux plus me soigner, je suis crevé comme un con. La pêche. Merde, j'ai pas acheté une salle. Oh putain, un feu de camp. Oh, yes! Impeccable. Ah, je me sens bien. En plus, ça tombe bien, j'arrive au bout de la vidéo. M'étonne. T'en bouge pas. Bon, bah, du coup, pour ceux qui passeront le coin, je coupe la vidéo. À plus, tout le monde.